Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Cyril Grand. Bonjour. Donc vous êtes candidat pour la circonscription Nord-Ouest de la liste Force Vie, donc pour les élections européennes du 25 mai prochain. Donc nous vous avons invité pour que vous nous parliez donc de la réforme des institutions européennes. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'Europe et sur ses institutions? Alors déjà, je voudrais faire une distinction entre l'Europe, l'Union européenne, et l'administration de Bruxelles. Ce sont évidemment deux choses complémentaires, mais on a souvent l'habitude de stigmatiser l'administration bruxelloise et du coup de rejeter toute idée d'Europe aussi par rapport à ça. Alors, il faudrait pouvoir distinguer l'un et l'autre, l'administration n'étant censée être qu'au service de l'idée de l'Europe. Donc, ceci étant dit, l'Europe elle-même, l'Union européenne, traverse une crise extrêmement grave, et je dirais personnellement qu'elle est en crise quasiment depuis le début. Depuis le début. Alors évidemment, tous nos dirigeants, qu'ils soient du Parti Socialiste, de l'UMP, mais aussi d'ailleurs du Front National, se sont efforcés de minimiser la crise des institutions, ou alors au contraire de l'hypertrophier. Le fait est que l'Europe va mal, l'Europe est malade, parce qu'elle est partie dès le départ sur de mauvaises bases. Alors, l'idée était bonne au départ, c'est-à-dire éviter la guerre, que se reproduise ce qui s'était passé sur le sol européen d'une manière dramatique comme on sait. Voilà. Et pour cela, on s'était dit, faisons des choses en commun, ayons des intérêts en commun, parce qu'ayant des intérêts en commun, nous serons moins tentés d'entrer en conflit. De ce fait, on a cherché des intérêts économiques, on a mis en place des intérêts économiques, des réalisations économiques, mais nous sommes ensuite très vite partis dans une fuite en avant. D'abord, certaines choses ont mieux marché que prévu, ou plus vite. Donc on est allé plus vite dans certains domaines de réalisation économique, douanier et ainsi de suite, ce qui a finalement donné confiance, donné des ailes. Et puis c'était à une période où l'économie repartait, les choses fonctionnaient bien. L'idée, qui d'ailleurs était celle dès le départ de Jean Monnet, hein, qui n'était pas forcément celle de Schuman, mais celle de Jean Monnet, était d'avoir une Europe politique en même temps qu'une Europe économique. Alors, Schuman aussi avait l'idée d'une Europe politique, mais ce que souhaitait Monnet, c'était déjà avoir un véritable État européen. Et du coup, la machine s'est emballée autour de tout ça. Alors, De Gaulle a maintenu les choses à freiner. Lui, il ne voulait pas du tout entendre parler de ça. Mais depuis le départ de Gaulle, en fait, nous assistons à une véritable fuite en avant dans une construction européenne qui réellement n'est pas une construction européenne. C'est-à-dire c'est une agrégation de traités, une agrégation de différentes mesures dans lesquelles on va toujours plus loin. On pose des cubes les uns par-dessus les autres, des cubes de loi, des cubes de traités, mais même des cubes d'État, où on arrive maintenant à avoir pléthore d'États. On arrive aussi à se poser la question de faire entrer dans l'Union européenne des États non européens, en tout cas qui ne sont pas sur le continent européen en partie. Je fais allusion à la Turquie très clairement. Bref, on est dans une fuite en avant, mais pour une raison simple, c'est que le départ est une fuite en avant. Puisque dès le départ, on n'a pas posé de base. Donc tout était ouvert. Et ouvert vers ce qui allait arriver, ce qui allait se produire. Voilà. Donc c'est à avoir posé des fondements qui n'en sont pas, c'est-à-dire à avoir mis de la technique, de l'économique, très concrètement, comme première pierre de la construction européenne, c'était laisser, sans avoir donc de socle politique, de pensée politique, de sens politique, on a donc laissé l'économie aller comme un navire à la dérive. Et du coup, on part, on ne sait où. Il est temps aujourd'hui de marquer le pas, de faire une pause. Parce que l'Europe que nous avons aujourd'hui n'a pas d'identité. Elle a pourtant une histoire commune. Les pays qui constituent actuellement l'Europe ont une histoire commune, ont vécu des choses communes très fortes. Mais au niveau de l'identité de cet ensemble structuré, il n'y a rien.
c'est vide, parce qu'il n'y a pas de sens. Donc il est temps de s'arrêter, de se reposer les questions fondamentales. Qu'est-ce que nous voulons pour l'Europe? Pourquoi l'Europe? Quelle Europe? Quel sens? Et avec qui? Alors, certains médias, analysant justement la crise de l'Europe, affirment qu'à la source de cette crise, ça a été une crise d'institution. Donc, faut-il plus d'Europe pour soigner l'Europe? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut plus de morphine pour soigner un malade? C'est à peu près ça. Pour l'instant, arrêtons. Posons les bases. Regardons ce qui ne va pas, ce qui va, et où nous voulons aller. Alors, plus d'Europe, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est comme les sempiternelles valeurs de la République. Ça veut dire quoi? Plus d'Europe, mais quelle Europe? Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on appelle Europe? Est-ce que c'est un ensemble territorial? Est-ce que c'est un ensemble culturel? Est-ce que c'est un ensemble économique? Est-ce que c'est un ensemble religieux? Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce que l'on attend? Déjà, nous ne sommes pas tous d'accord sur ces réponses-là. D'abord, nous ne sommes pas tous d'accord en France sur ces réponses, et nous ne sommes pas tous d'accord entre États, déjà. Donc, plus d'Europe, pour quelle Europe? Il faudrait déjà se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, cette Europe artificielle dans laquelle nous sommes, est-ce qu'on veut encore plus d'Europe artificielle? Non. Revenons au concret, revenons au sens du réel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons aller ensemble? Qu'est-ce qui fait que nous voulons aller ensemble? Et qu'est-ce qui fait que nous nous retrouvons ensemble? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous anime? Quel est le sens profond de cette Europe? Aujourd'hui, l'Europe, c'est une administration pléthorique, technocratique, qui n'a aucune légitimité. Ce sont des fonctionnaires qui sont recrutés comme tels, mais qui ne sont pas élus, et qui prennent des décisions qui concernent des citoyens qui ne sont pas consultés. Le Parlement européen, son rôle est quand même limité. Les décisions qui sont prises par traité, et bien souvent, on ne veut pas consulter les citoyens. Et quand on les consulte et qu'ils disent non, eh bien on contourne. Le traité de Lisbonne, on retrouve ce que les Européens, en 2005, avaient rejeté. Mais on a reformulé les choses différemment. Mais, bien entendu, on n'est pas passé par un référendum. Quelle est la légitimité de cette Europe? Quelle est la légitimité de ces institutions? Mais parler des institutions, ça suppose, comme je le disais tout à l'heure, d'abord de parler de l'Europe elle-même. Qu'est-ce que l'on veut et où l'on va? Et donc, comme vous avez un peu commencé à l'expliquer tout à l'heure, selon vous, l'Europe s'est bâtie un peu sur cette fuite en avant? Oui. Encore une fois, personnellement, je pense que l'Europe ne s'est pas bâtie. Ce que je pense, c'est que, vous savez, c'est comme un fleuve qui avance et qui ramasse tous les gravats qui sont sur le bord, et voilà, et ça s'agglutine comme ça, ça s'agglutine. À partir du moment où il n'y a pas de sens, vous ne construisez rien. Et c'est aussi intéressant, comme je l'ai dit régulièrement, quand vous regardez l'histoire européenne, à partir de la construction européenne, vous n'avez plus que des traités, des engagements économiques, etc. Il n'y a plus d'histoire, réellement. Il n'y a plus cette vie. On essaie de se mettre d'accord sur des points techniques. Où est l'âme de l'Europe derrière tout ça? Donc il n'y a pas de construction. Il y a des décisions qui sont prises pour tel point, pour aller dans telle direction. Même la monnaie unique répondait à une dynamique isolée d'un point de vue économique. Le sens politique de tout ça, même aujourd'hui, il est encore remis en cause, y compris dans la conception même, la légitimité même de l'euro monnaie unique, d'un État qui n'en est pas un. Alors, comme je le disais aussi, on a voulu faire une Europe contre ses citoyens, c'est-à-dire contre l'avis de ces citoyens. Regardez les rejets du référendum par le référendum en 2005. Regardez aussi les pays qui majoritairement, dont les populations ne veulent pas entrer dans l'Europe, mais les gouvernements, comme la Croatie par exemple, signent malgré tout, contre l'avis de leur population, l'entrée dans l'Europe. Bref, c'est un agglomérat technique sans âme et qui se fait contre l'avis des populations.
Non pas que les populations soient contre l'Europe, mais contre cette Europe, ça clairement. Parce que c'est encore une fois une Europe technique et sans âme, sans histoire. Or, nous savons tous que nous sommes dans une histoire, nous sommes dans une dynamique. Les rapprochements politiques, les rapprochements d'État, les traités entre États, les coopérations, même les jumelages de village à village, c'est toujours quelque chose que les peuples ont accepté, ont apprécié. Mais là, on est dans de la technocratie qui ne concerne pas les gens. Mais par contre, qui ont des conséquences lourdes et graves sur leur quotidien. Et donc cette Europe qui s'est bâtie sans son histoire, quelles en sont les conséquences concrètes aujourd'hui? Par exemple, selon une étude de la Diète fédérale allemande, 85% de nos nouvelles lois proviennent directement ou indirectement de Bruxelles. C'est inadmissible, c'est impensable, inconcevable. Où est la souveraineté des nations dans tout ça? Où est cette fameuse subsidiarité, c'est-à-dire la responsabilité des peuples? On est en train de parachuter d'en haut, clairement, de parachuter d'en haut des décisions qui ne sont même pas conformes à la réalité quotidienne de ce que vivent les gens. Et donc, quelle position tiendront les élus de Force Vie au Parlement européen? Alors, déjà, l'engagement de Force Vie repose sur des principes fondamentaux de la vie, du respect de la dignité humaine. Donc, tous les engagements que nous prendrons auront comme clé de lecture la dignité de la personne humaine. Donc forcément, la responsabilité, donc forcément, un retour de l'Europe aux Européens. C'est à eux de prendre en main les destinées qui les concernent concrètement. Donc ça passe aussi par un respect des identités régionales, ça passe par un respect de la souveraineté nationale, et donc un retour aussi à la souveraineté effective, parce que de fait, nous n'avons pas renoncé à 85% de notre souveraineté, mais concrètement, nous sommes liés par cela. Et ça, c'est quelque chose contre lequel nous allons essayer d'inverser la machine de façon à ce qu'il y ait déjà plus de liberté, moins de lois contraignantes. Bref, qu'on reparte réellement du concret. Si vous prenez les questions de travail, tout simplement, vous avez des milliers de nouvelles réglementations qui sont extrêmement restrictives et très déconnectées de la réalité concrète du travail et de la société. Il faut revenir réellement et redonner aux travailleurs, aux citoyens, les clés de leur destinée. Donc l'Europe aux Européens, un beau programme. Merci beaucoup Cyril Brun. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis.